Hello tout le monde, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Et comment ça avance de votre côté? J'espère que les choses avancent de votre côté parce que ça doit avancer, nous devons avancer tous ensemble. Tout d'abord, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui la regardent pour la première fois. Bon, pour ceux qui regardent mes vidéos, cette vidéo, qui regardent mes vidéos pour la première fois, cette chaîne YouTube a été créée pour partager avec la communauté africaine, tout ce qui tourne autour du business en Chine. Et comment est-ce que je compte vous faire profiter de tout ce qui tourne autour du business en Chine? C'est en faisant des vidéos, en visitant des marchés, des usines en Chine et plein d'autres endroits qui vont nous permettre de trouver l'essentiel est contre des opportunités, hein. Contre des opportunités de business. Parce que je sais que beaucoup de gens veulent se lancer dans le business. Beaucoup y sont déjà et veulent de nouvelles idées. Et moi-même aussi, j'en ai besoin. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Alors, vous qui la regardez pour la première, vous regardez mes vidéos pour la première fois, aimez-les, partagez-les, abonnez-vous à ma chaîne, je vous en prie. Abonnez-vous, mes amis, j'en ai vraiment besoin. Nous en avons besoin. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour profiter de mes anciennes vidéos et de mes prochaines vidéos également. Alors, de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo? Je vais visiter le district 1 du marché de Yiwu avec vous. Qu'est-ce qu'on vend au district 1 du marché de Yiwu? Je sais qu'il y en a parmi vous qui savent déjà ce qu'on y vend, même s'ils n'y sont jamais allés. Certains d'entre vous savent ce qu'on y vend. Au district 1 du marché de Yiwu, selon ce que j'ai regardé, j'ai vu au premier étage, on vend des jouets. Toutes sortes de jouets. Je dis bien toutes sortes de jouets au premier étage. Maintenant, au deuxième étage, j'ai vu des accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, tout ce qui concerne cheveux, accessoires, pas mèches. Non, pas mèche, c'est-à-dire des couronnes, des boucles, des couronnes, des... Oui, tout ce qui concerne les cheveux, quoi. Les accessoires, donc pour embellir les coiffures, les cheveux et tout ça. Et maintenant, j'ai aussi vu les bijoux. Bon, c'est des bijoux, donc vous verrez les vidéos, vous verrez tout ça dans cette vidéo. Mais le temps me faisant défaut et surtout que j'ai promis de publier une vidéo par semaine et je pense... Pas que je pense, hein. Je dois absolument tenir à ma parole. Donc, je n'ai pas pu finir le district 1, mais nous allons le finir. Ça, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nous allons finir le district 1. Mais je vais d'abord vous présenter ce que j'ai trouvé là-bas, ce que j'ai trouvé au district 1. Et puis, vous me direz en commentaire ce qui vous a captivé. Alors... N'oubliez pas, là, je ne blague pas, je ne veux même pas blaguer à ce niveau. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo, ok? Aimez-la, je sais que vous allez l'aimer. Aimez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Ok, qu'est-ce qu'on dit? On avance. Alors, avançons, mes amis, avançons. Oui, salut! Là, je suis au district 1 du marché international de Yiwu. Je vais y entrer. Vous pouvez voir derrière moi. J'espère que vous voyez bien, que vous pouvez lire. Oui, c'est le district 1. Ça, c'est l'entrée pour les étrangers, quoi. Donc, je vais entrer et puis on va visiter quelques boutiques. Je vais choisir quelques boutiques. On va visiter quelques boutiques et je vais poser les questions aux fournisseurs, aux différents vendeurs et on saura exactement ce qu'ils y vendent, comment ça se passe. Bon là, je vais devoir mettre mon masque parce qu'ici on emporte encore et donc j'ai besoin de mettre mon masque pour entrer, sinon je ne pourrais pas entrer. Ok, on se retrouve à l'intérieur, on avance. Ok, là j'ai mon masque, je vais entrer. Je vous ai dit, je vais vous emmener avec moi. Moi, je tiens toujours à mes promesses. Je vais faire quelques formalités d'enregistrement et je vous reviens tout à l'heure. Ok, j'ai fini. Je parlais de me faire enregistrer parce que pour entrer, il faut avoir ce code.
sais pas si vous le voyez. Il faut avoir ce code qui prouve que vous êtes en bonne santé, vous ne... par rapport à la situation actuelle, quoi. Ok, là j'entre et on se retrouve en haut, en avance. Oui, de ce côté ils vendent les accessoires pour les cheveux. Enfant, grande personne, je pense que c'est plus enfant. Donc je vais choisir une boutique avec qui je vais parler. Je vais parler avec le boss. Donc je vais d'abord demander la permission parce que ici on filme pas. Normal, on ne filme pas comme ça. Et puis je. Ok, tout à l'heure. Tout de suite, pas tout à l'heure. Là, j'ai un peu triché, j'ai enlevé le masque. C'est pas facile, c'est l'été, il fait chaud. Comme je suis déjà à l'intérieur, il n'y a pas trop de contrôle. Alors, il y a une boutique là. J'ai demandé au propriétaire qui m'a dit je peux filmer. Et puis, je vais lui poser quelques questions. Là, ils font dans les bandeaux enfants. Je vous ai dit, le côté que j'ai choisi, par lequel je suis entrée tout à l'heure, c'est pour... ils vendent les accessoires de cheveux pour enfants, pour grandes personnes, les bandeaux et tout et tout. Donc, je vais vous présenter. Je vais choisir quelques boutiques. Je ne vais pas présenter tous les passés, il y en a tellement. Alors ici, je vais entrer dans la boutique et puis vous montrer ce que le monsieur vend. Et puis il va nous expliquer, il va répondre à mes questions quoi. Ok, ici ils vendent les choses comme ça. Pour bébé. Bon, chaussures, chaussons pour bébé, bandeau. Oui. Très joli hein. Et là apparemment ils ont plus pensé aux filles hein. J'espère qu'on va aussi trouver plus les garçons. Waouh, ça c'est joli. J'espère que vous voyez parce que j'ai l'impression que la lumière elle est très forte. Ok, c'est sûr. Oui, bon là, je vais lui poser quelques questions. J'espère qu'il va... J'espère qu'on va trouver des réponses. Ah oui, ni ha. Ni ha, ni she, ni ga gong se ha she. Ni men, jaga don, hu duo si gong gong cha ma. Si ni men, ni men de zuo ma, ni men de. Si, si. Ah, ru go, yige ge hu yao mai. Si yao na, na hu, na hu, si yao na du, du shao ge. 50 da. 600 ge. 100 ge. 600. 600 ge. 600 ge, si yi xiang ha she, si. 600 ge, yi xiao xiang. 一小箱 1200一大箱 一箱里面有多少个 1000里面600个呀 600 一小箱你可以装1200一大箱大箱是 1200 对对对 小箱是 600个 OK je lui ai demandé je lui ai posé la question en ce qui concerne les quantités si quelqu'un veut en commander il peut prendre il faut un peu prendre commander à partir de combien à partir de quelle quantité en fait. Il m'explique donc qu'il y a deux catégories de cartons. Il y a un carton qui prend 600 pièces et un carton qui prend 1200 pièces. Donc on peut commander à partir de 600 pièces. Oui. Et d'où il y a ma. D'où il y a. Donc tout est. Donc pour tout ce qu'il y a comme produit ici. Tiens, Miguel, tu vois. Bouge, tiens, voilà, c'est ça. Tout ce qu'il y a comme produit ici, donc on achète, pour acheter, il faut commander à partir de 600 pièces. Donc il y a les cartons de 600. Waouh, ça c'est très joli.
Ça, c'est les chaussons avec une sorte de bandeau. Yo, tu l'as de ma. Tu l'as de yoma. Là, je suis en train de demander s'il y a un petit peu ouvrir, quoi, pour qu'on puisse bien apprécier. Ah, c'est si. Ok, je vous montre bien le. C'est pas facile, excusez-moi, la caméra, je suis pas professionnelle. Donc là, c'est un bandeau pour bébé, pour nouveau-né, très joli, avec des chaussons, quoi. Ok, donc pour avoir ça aussi, c'est pour des grossistes, bien sûr. Pour des grossistes, ils vendent en gros. Pour avoir ceci, il faut en commander à partir de 600 pièces. Diego, il y a deux tisseurs. Je vais demander pour la couleur. Ça, par exemple, il y a quatre couleurs disponibles. Voilà. Et il me parle aussi de ceci. Ça, il y a quatre couleurs disponibles. C'est aussi des chaussons avec des bandeaux. Là-bas, c'était des bonnets. Oui. Des chaussons avec des bandeaux. Donc, c'est quatre couleurs également, comme là-bas. Comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ok, je pense qu'on a fini avec cette boutique. Les quantités sont énormes. Bon, c'est beaucoup pour des gens parce qu'il y a des revendeurs qui ne peuvent pas prendre vraiment en gros, en très grande quantité. Et pour ça, c'est pour ça qu'il y a des groupages. Et parlant de groupage, j'ai un forum pour le groupage. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce genre d'articles, peuvent me contacter. Je vais laisser mes informations sur la barre d'infos et vous pourrez me contacter. Et puis il y a le forum de groupage, il y a pour ceux qui ne pourront pas prendre les grosses quantités comme ça, mais pour ceux qui peuvent prendre les grosses quantités, vous allez aussi me contacter parce que je vais laisser mes informations sur la barre d'infos et puis on va avancer parce que nous sommes là pour avancer. Ok, on avance. Bon, ici c'est, je pense, ça c'est pour des grandes personnes, hein. Des accessoires également pour des grandes personnes. Là, ce sont pour cheveux, quoi. Là, on a des barrettes. Chérie de Denmark. Voilà. La bosse, j'ai fait un peu l'impoli. Là, je parle. Je n'ai pas demandé sa permission, mais apparemment, quand elle m'a vu, elle m'a souri. Bon, j'ai compris que je pouvais filmer. J'ai compris que je pouvais filmer sans avoir à demander la permission. Bon, ça, c'est un genre de... C'est quel accessoire pour des cheveux également, oui. Oui, ça, c'est joli. Ce que je vais faire, je ne vais pas trop... traîner de ce côté parce que c'est presque les mêmes choses. Je pense que là on a déjà une idée, on sait qu'ils vendent des accessoires. Ils vendent, pardon, les accessoires pour cheveux. On va avancer de l'autre côté. voici une autre boutique. Ah, oh, waouh! Là, je vois les. C'est toujours pour les cheveux, mais c'est. C'est différent de ce qu'on a vu de l'autre côté là-bas. Ça, c'est un autre couloir, en fait. J'espère que vous voyez. C'est un peu des sortes de couronnes, là. Je vois, j'ai remarqué, les gens se marient déjà beaucoup avec. Je pense qu'il faut... vous voyez un peu de quoi je parle. Je cherche une image pour que vous compreniez mieux. Voilà, il y a une image ici derrière. Donc à peu près comme ça. Ce genre de barrette. Ouais, pour cheveux. Mm-hmm. C'est donc ce qu'on voit à l'intérieur là. C'est ça ici. Bon, ça c'est en cours. Ça c'est ce qui est court. Et voilà. À peu près comme ça. Donc c'est ça. 120.
Des chapeaux. Je vous ai dit, c'est pour les saisons accessoires pour les cheveux, donc tout ce qui concerne la tête en fait. Dans cette boutique, ils vendent les chapeaux. Chapeaux comme ça, pour des cérémonies. Comme ceci. New York, t'as le voici, ma. Voilà. Dans cette boutique, ils vendent tout en pelle. Dans des sacs camions pour femmes, des accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux. Donc, je vais y entrer et puis je vais poser des questions à la vendeuse également. Et puis, je vais aussi vous montrer toute la boutique. Ok, on avance. Oui, là, vous voyez ce genre de sac. C'est des sacs à main. En pelle. Ah, très très créatif. Donc c'est des petits sacs à main. Très petits là, mais très jolis. On dirait des petits paniers. Vraiment joli. Tout ça en perles. Perles blanches. Oui. On dirait ça, ça qui ressemble à quel sac là? Lady Dior. C'est ça que cette boutique. Bon, ils vendent aussi les accessoires pour cheveux dans les barrettes comme ça, là, pour des grandes personnes, enfants, tout le monde. Bon, ça, je ne vais pas trop vous montrer ceci parce qu'on a déjà vu les cheveux là. J'aimerais bien savoir ça, c'est quoi. Mais la vendeuse, là, elle est très occupée. Je ne sais pas si elle pourra vraiment répondre à nos questions. Je ne sais pas, Tu veux
比如说，如果我要买这个包，嗯。 Elle est très occupée, je sais pas. Elle ne pourra pas nous répondre. 150块. Boucha, je ne vais pas dire. Je vais dire combien de choses vous pouvez acheter. Quel type de choses vous pouvez acheter? Un type, c'est ça? Un type, c'est 10. 10 quoi? Wow. Ici, elle vend. On peut prendre la passer 10 pièces ici. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. On peut prendre à partir de 10 pièces ici. Vous voyez donc, moi-même, depuis que je visite le marché, je n'ai jamais vu une boutique qui vend ici. Parce qu'ici, ils vendent uniquement. En gros, jamais vu une boutique qu'on vend à partir de 10 pièces. Mais là, elle me dit, on peut vendre. Elle peut vendre à partir de 10, pas pour la partie de 10 pièces, mais elle peut prendre le même modèle, quoi. Les 10 pièces doivent être du même modèle. Donc, ne mixe pas. Si tu veux mixer, tu peux prendre 20 pièces. Donc, c'est comme ça. Ok, on a eu la chance, c'est un peu libéré. Mais là, elle n'a pas eu le temps de vraiment parler avec nous parce qu'elle est vraiment occupée. Mais elle a quand même répondu à nos questions. Je vais prendre son contact. Donc, ceux qui en ont besoin, je vais laisser mes informations sur la barre d'infos et puis vous allez me contacter. Ok, on avance. Là, on va un peu changer de secteur. De couloir parce que là c'est on va un peu évoluer mais ça sera toujours dans le district 1. Faut qu'on avance un peu parce qu'ici vendent, je vois là c'est toujours les accessoires pour cheveux et il n'y a pas que ça ici. Faut qu'on essaie de voir autre chose quoi. Bon, ici dans ce secteur ils vendent les bijoux. Ils vendent des bijoux un peu partout là. C'est toujours le district. On n'a pas changé de district. Ils vendent des bijoux. Ça, c'est le secteur des bijoux. C'est l'entrée même du secteur des bijoux. Là, je passe rapidement comme ça. Parce que je ne peux pas entrer dans toutes les boutiques. Je vais juste choisir une boutique dans laquelle je vais entrer. Oui, ici, nous sommes au secteur des bijoux, comme je vous disais. C'est toujours le district 1. Je vais essayer de filmer un peu là pour que vous voyez. Ça, c'est des colliers. Désolé pour les bruits, hein. Nous sommes au marché donc c'est normal. Donc au district 1, on vend aussi des bijoux. Mais dans cette boutique, ils vendent comment, des colliers, je crois, et là-bas, c'est des chevillères, je pense. Ok. Une autre boutique. Ici, on vend uniquement des chevillères. Uniquement. Je vais également demander à la propriétaire de la boutique. Je vais lui demander à partir de quelle quantité on peut commander et d'autres informations. Et puis je vous dirai. C'est des chevillères, uniquement chevillères, cette boutique. Donc, ah, la dame n'est pas là. Peut-être nous n'aurons pas d'informations aujourd'hui, mais si il y a des personnes intéressées par des chevillères,
Je vais laisser mes informations sur la barre d'infos et mon WhatsApp, parce que je travaille beaucoup plus avec WhatsApp, comme je vous l'ai dit déjà. Je vous l'ai déjà dit, pardon. Je vais laisser mes informations sur la barre d'infos et là, vous pourrez me contacter pour que je vous serve d'intermédiaire, quoi. OK. Oui, là, c'est des... Dans cette boutique, ils vendent des bijoux également, mais des gourmets, boucles d'oreilles. J'ai vu un secteur là derrière où on vend plutôt les pièces pour pouvoir monter les bijoux. Je ne sais pas si c'est ce que je devrais dire. Hein. Des pièces pour pouvoir monter les bijoux vous-même. Donc je ne sais pas. J'ai essayé de m'arrêter, c'était apparemment les responsables ne sont pas là, donc je n'ai pas pu leur poser de questions. Comment ça se passe? Mais évidemment, si quelqu'un est intéressé par ce genre de business, où tu achètes juste les pièces et tu montes des bijoux toi-même, les personnes pourront aussi me contacter et puis on verra comment causer avec les fournisseurs à propos. Oui, toujours au district 1, dans cette boutique, comme là derrière, on vend les bijoux. Ici, et ils vendent les box pour ranger ces bijoux. Les box pour ranger les bijoux, c'est très joli. C'est vraiment joli. Pour ranger les accessoires, comme les bijoux, les boucles, les montres également. Plein de trucs. Quoi. Des box comme ça, il y en a aussi. Toujours au district 1. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de business, ce genre d'articles à revendre, je vais également laisser les informations, mes informations, me contacter et je vais causer avec les fournisseurs. Quoi. Okay. Là, je suis au premier étage du district 1. Ici, ils vendent des jouets. Uniquement des jouets. Vous voyez, c'est même écrit Electric Toys. Ils vendent des jouets uniquement. Ici, Niha, ok, dis-moi. Ah, c'est si. Je demande d'abord la permission. Là, c'est si. Hein. Bon, là, c'est. Oh, my phone. Oh, gosh. Et. Voilà. Okay, ici. Okay. Là, c'est des jouets. Le secteur des jouets, dans au district 1 toujours. Mais la responsable de la boutique, elle est sortie. Elle m'a abandonné avec sa boutique. Ah, ok. Elle allait chercher cette grosse poupée là pour me la présenter. Voilà. Jaga, Il y a 或者你拆装的话可以装20个会便宜一点，体积小一点。好了，si quelqu'un veut commander ceci, mais c'est grand. C'est presque un mètre. Jaga c'est 1米 吗？ 1米差不多。差不多， c'est presque un mètre quoi. 70公分的其他的有。 Mhm. Et ça, je lui ai demandé des quantités quoi. Elle m'a dit si quelqu'un veut commander, il faut en acheter 50, il faut en commander 50. 你说是要拿货是要50个吗？差不多。啊，presque 50 parce que. 一款一款一样，一件一件拿五件就可以送了。五件。拿一件，其他拿一件。啊，OK，c'est-à-dire elle a encore expliqué qu'il faut commander
5 cartons et par carton il y en a 9. Et c'est pourquoi ils disent ça fait presque 50 pièces. Yo nandema. Do yo. Nan quoi? Je viens de demander s'il y a aussi pour les petits garçons là, parce que depuis je vois je vois seulement pour les filles. Bon, elle va chercher pour les garçons, on attend un peu. OK, les garçons sont là, on vous a pas oublié. Je suis nude. Je suis nude. OK. Ça, c'est pour les petits garçons aussi. Donc, madame la boutique, elle est très gentille. Ça, c'est pour les... Voilà. Il y a aussi ceci. Je pense qu'il faut... Ça, les mêmes quantités s'appliquent aussi à ceci. Voilà. Nishola yeke yo na H gama. Ah, H 的话，就是这盒子分开了，就是自己拿回去装。嗯，也就是说，我给你看示范一下啊。这个本来是这么做好的哦。嗯。你拆开来，拆装，我们叫拆装。嗯。就这盒子是工厂里盒子出来的。 扁的嘛，扁的话，这样装跟盒装起来肯定是这么体积省一点的。盒子放下面，这娃娃放上面，这样叫拆装，数量多一点，体积更小。OK。嗯，不会这么贵哦。OK， elle explique aussi que en fait, on peut aussi prendre, bon, dans les 5 cartons, on n'est pas obligé de prendre un modèle quoi. Un style quoi. On peut mixer, c'est-à-dire un carton de ceci, un carton de ceci, un carton de dedans. On n'est pas obligé de prendre un seul modèle. Je veux dire, il y a un chemin. Il y a un chemin. Mais quand je dis, tu as un chemin, tu as un chemin, tu as un chemin, tu as un chemin. Ok, un chemin. Tu as un chemin, tu as un chemin, tu as un chemin. Ok, ok. Oui, mais là, il est en train de dire, si on n'atteint pas le quota, il va falloir ajouter 100 yuans pour le transport du colis de sa boutique au cargo. Mais par contre, si on achète, si on atteint le quota, on n'a pas besoin de payer de transport. Bon, c'est intéressant ça. OK, on ira visiter d'autres boutiques. Je vais prendre son contact. Donc, ceux qui sont intéressés pourront me contacter parce que je vais laisser mes informations sur la barre d'infos. Pourquoi me contacter sur WhatsApp parce qu'elle travaille beaucoup plus avec WhatsApp. Sur WhatsApp et aussi ma page Facebook. Je vais tout laisser sur la barre d'infos. OK. On va essayer de chercher notre boutique pour voir d'autres jouets. On avance. Là, j'ai trouvé notre boutique de jouets. Ouais, je vais vous présenter ce qu'ils y vendent. OK, on entre. Voilà ce qu'ils vendent dans cette boutique, des jouets. On dirait la guerre, les voitures de guerre et tout ça. Je rappelle ici que les gens qui les je pense quand même que vous le savez, pour ceux qui font dans les qui vendent les jouets en décembre là, c'est bien d'en commander au plus tard en septembre parce que septembre, même parfois c'est tard, c'est bien d'en commander en août. Parce que connaissant le... Avec la situation actuelle où le transport est devenu lent, c'est mieux d'en commander en août pour être sûr d'en recevoir avant novembre, au plus tard. Au plus tard en octobre, avant novembre quoi. Voilà. Oui, là c'est des poupées noires, des poupées africaines. Ah, je les appelle africaines, même comme elles sont fabriquées par les Chinois.
pour les fêtes de nos enfants. Bon, on a trop l'habitude de voir les blanches ici là. Ah, le dieu, le dieu. Voilà, je vais lui demander comment elle vend les quantités en fait. Voilà, il y en a aussi là-bas en haut. Wow. Oui, elle dit pour celles-ci, comme elles sont petites, celles-ci elles sont petites, dans un carton il y en a 72 et il faut en commander à partir de deux cartons. Elle ne vend pas un carton. Par contre, et aussi celles-ci les grandes ici là, wow, on dirait des cheveux naturels. Les grandes ici, dans un carton il y en a 32. Il faut également en commander à partir de 2. Et la commande prend 10 à, 2, 10, 10, 10 à 14 jours. Ce chien, c'est celui qui tient. La commande prend 10 à 15 jours. Parce que c'est fait à la commande, quoi. Ce qui est dans la boutique, là, c'est juste les échantillons. Donc, si quelqu'un est intéressé et en commande, dont la commande va prendre, vous devez savoir que ça va prendre entre 10 et 15 jours. Pas pour être livré, hein, pour que tout soit fini et que le colis soit prêt à être expédié. Ok, on avance. Ok, ok, je suis de retour. Je vous appartiens. Ok, vous avez regardé la vidéo, vous avez pu apprécier les images. Et puis, bon, maintenant, dites-moi en commentaire ce qui vous a captivé. Si vous avez des idées, partagez-la avec nous également en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On avance, on doit avancer. Et à la prochaine vidéo, nous allons finir le discours 1. Et puis, s'il y a encore assez de temps pour entamer le district 2, nous le ferons également.